toi là, tu n'as pas quelque chose à faire. Comme quoi? Va aider ta maman par exemple. Depuis matin, tu es calé, y a quoi? J'étais à la cabine, tu étais là. Je viens encore ici, tu me suis. Tu me suivais ou bien? Je vais où je veux. Le quartier ne t'appartient pas à ce que je sache. Ouais, mais ici c'est notre QG, c'est un lieu sacré. Tu comprends pas ça ou bien? Cause sacrée, mon œil. C'est pas ici que tu donnes rendez-vous à ta pémèche là. Y a quoi? Ça te fait mal ou bien? Regardez-le. Ça va me faire mal pourquoi? Donc faut quitter ici. Tu es là pourquoi même? Réa, moi il n'est plus affaire à toi. Hein. Je ne bougerai pas d'ici. Le banc là c'est pour tout le monde. Attends, tu dis quoi? Tu as vendu 1500 livres. C'est quand même surprenant. Les gens aiment ton livre à ce point-là. Y'a rien d'étonnant, le talent, bébé. C'est le talent qui a parlé. Et puis, elle n'a même pas fait de promo, hein. C'est ça qu'elle a là. Bravo. Ils ont invité la Jaga chez les Letty là. Je vais aller lui donner des livres, il va vendre ça là-bas. Ah, enfin, Letty l'a invité. Mais ne perds-tu pas son rendez-vous avec ton affaire de vendre des livres là. Le moment n'est pas approprié. Quoi? Au contraire, il va prendre des points là-bas grâce à moi. Si les parents de Letty savent qu'il est un grand écrivain comme ami, je me fais du blé, il prend des points avec les...